16h53, Mathieu Noël. Debout les copains s'achève, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Ce moment pas toujours agréable, mais toujours fraternel, où je tends un miroir à Nikos Aliagas sur sa performance de la veille. C'est drôle et à la fois c'est émouvant, oui. Mais il y a peut-être des choses qu'il va peut-être pas comprendre. Mais non, Staline, les bâcheries, c'est moi, un peu de respect pour votre patron. Voici le débrief de la matinale. Retour à une configuration studio hier pour l'équipe de la matinale après l'émission exceptionnelle en direct de Notre-Dame mardi matin. Un show à l'américaine pour le coup, un vrai. Oui, avec des invités passionnants, tellement émus qu'ils ont oublié leur promo du moment, enfin... Sauf Yann Arthus-Bertrand qui, lui, y a pensé quand même. Nous avons Yann Arthus-Bertrand avec nous au téléphone. Vous étiez il y a quelques jours, je crois, à Notre-Dame de Paris. Oui, on est en train de faire un film qui s'appelle La France, une histoire d'amour. On avait prévu de faire du drone à l'intérieur. Est-ce que vous pourriez, à votre façon, participer à la reconstruction de Notre-Dame? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai eu ce matin quelqu'un qui est l'entreprise Charlois. C'est les numéros 1 des tonneaux en chaîne et qui m'a envoyé un petit message. Si tu veux, tu peux dire que moi, je suis prêt à fournir tout le bois entier pour reconstruire à la charpente de Notre-Dame. Voilà. Et oui, et avec le code Bébert, c'est moins 20% qui vous attendent chez le numéro 1 des tonneaux de chaîne. Hier, retour à la normale donc, enfin à la normale. Rien n'est jamais tout à fait normal quand Hélène Zélani fait son journal sous l'œil complice de Nikos qui, fasciné par la voix d'Hélène, en oublie la tonalité assez solennelle de l'actu du jour. Je donne, tu donnes, tout le monde donne. Donnez. Hier, on fêtait également la Saint-Anicée. Une journée émouvante pour notre chroniqueur innovation Anis Mbida qui repense avec effroi à la fin cruelle dans l'arène de son illustre homonyme de l'ère romaine, même si Céline Dacosta, elle, préfère minimiser. C'est la Saint-Anicée aujourd'hui ? C'est vrai ou pas ? Bonne fête, Anicée. Pauvre Saint-Anicée qui s'est fait bouffer par les lions à Rome. À mon avis, c'est qu'il l'avait cherché. On embrasse tous les Anicées. C'est drôle. Enfin, lui non plus, les amis, lui non plus n'a pas sa langue dans sa poche, malgré les calmants que lui injectent à intervalles réguliers les aides-soignants dépêchés par l'hôpital Cochin. Le chef du service psychiatrie nous a en tout cas donné des consignes très strictes. Les phases de délire peuvent être impressionnantes, certes, mais surtout ne jamais interrompre le patient. Entrer dans son monde, aussi surréaliste soit-il, ne jamais le contredire. En ce sens, hier, face à Laurent Cabrol, Nikos, vous avez été parfait. C'est vrai. Nos amis à l'écoute doivent se préparer pour aller faire un petit tour de, je sais pas moi, merguez. Ben c'est bien ça. Vous allez peut-être vous promener dans les bois. Et évidemment. En vue du week-end, on devra donc noter cette nouvelle activité qui consiste, je cite, à faire un petit tour de merguez dans les bois. Laurent, vivement le week-end. On a eu un tweet hier qui demandait si Laurent avait fait le plein de sa merguez. Donc je pose le la question. Lolo. On continue dans cette émission.